Dans la foulée de leur nouvel album, System D, les Rita Mitsouko ont sillonné la France entière. Le meilleur moyen de savoir si le goût du public rencontre l'avis des critiques, parfois mitigé. C'est combien ? Merci. Megamix vous invite à un flashback dans les secrets de fabrication de System D à Essaouira au Maroc. Mais en attendant, voici les Rita Mitsouko, un soir de concert. Trois ans se sont écoulés entre la sortie de System D et de Marc et Robert, dont le petit train est extrait. Comment être sûr que le public ne va pas vous oublier pendant une si longue absence? Je pense pas que le temps fasse grand chose à l'affaire et que quand on vient et qu'on présente des produits de qualité, comme on dit, à ce moment-là, les gens vous écoutent, que ce soit la première fois qu'on se montre, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième fois. On a un orchestre avec des Parisiens, quoi. Alors, ça simplifie beaucoup, mais avant on a pas mal joué avec des étrangers, des Américains en l'occurrence. Ce qui fait que c'était, on les prenait pour 3 mois, et puis c'était de telle date à telle date, et puis après on n'avait plus d'orchestre, donc on pouvait plus jouer. Alors là on peut jouer pratiquement quand on veut, au pied levé, on peut jouer à la radio, à la télé. C'est assez nouveau pour nous, ça. En plus on n'a pas fait rien du tout, on a fait des musiques de films pour Carax, pour Balasco. On a fait le 35 jours à la Cigale, Et puis, on a travaillé, oui, on s'est renouvelé, quoi. C'est comme ça aussi, tu fais des nouvelles chansons. Et tu... il faut aussi travailler pour le plaisir, quoi. Être dans le studio, chercher des sons, essayer des nouveaux synthés et tout ça. Et puis, pour se recharger. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on n'est pas au devant de la scène comme ça, ou qu'on n'est pas à la télé, en fait, on a l'impression qu'on n'est pas là. Mais il faut savoir qu'on travaille tout le temps, quand même. Et ça ouira. L'ancienne Mogador d'avant l'indépendance du Maroc, cité maritime construite au XVIIe siècle par un architecte français. Catherine et Fred se sont installés là pour les prises de son de System D sous la conduite de leur complice Tony Visconti, producteur dans le passé de T-Rex et de David Bowie. Quand on est au bord de l'Atlantique, dans un climat où il ne fait pas tellement chaud en fait, puisqu'il y a beaucoup de vent là-bas, on est déjà en 15 jours, on est en pleine forme, on est détendu. Et un deuxième aspect qui est l'aspect de la beauté de la ville, la beauté aussi du caractère des gens,
qui fait qu'on est dans, on est dans des dispositions différentes que de Paris où on est plutôt genre un peu stressé, toujours comme ça. Ça donne aussi un temps différent. Puis en plus, on est hyper concentré sur ce qu'on fait puisqu'on fait que ça. Cherche aussi à évoluer et qui se donne la peine. Je peux pas faire mieux, j'ai l'impression. Ouais. Le premier album, on l'avait fait avec Conny Planck, cet Allemand qui travaillait avec Kramberg et Jean Dutru, en 83. Ensuite, on a travaillé tout de suite avec Visconti. Et puis sur cet album-là, on a encore travaillé avec Visconti, sauf pour les mixages. Il a beaucoup joué Visconti sur la prise de son, l'enregistrement. Oui, parce qu'en plus, comme on était dans une grande maison, tout en carrelage, c'était idéal pour lui, parce que lui, c'est un truc qui fait vraiment de la... Bien des années 70, ouais. Ouais, qui est bien capable de faire genre de prise de son live avec des conditions un peu difficiles ou un peu particulières, disons. Et lui, il est vachement fort pour faire ce genre de truc. Alors, on était dans des pièces qui sonnaient extraordinairement réverbérées. Je me souviens d'une toute petite pièce entièrement carrelée, où c'était, quand on faisait « Ah !», ça faisait « Ah !»
parti. Les enfants en rêve se voient grands. Une grande personne reculant et vive. De bon moral. Qui a des mérites. De belles dimensions. C'était avant. Eh ben oui, tant pis. Entends-tu, es petit. Amuse-toi bien petit. Profite, profite, consomme-toi, car tu la vis là. Ta belle vie, ta belle vie, ta belle, ta belle, ta belle vie. Après ça, c'est fini, tu vis tes années belles. On trouve un œil terné sur la veuve. Rita Mitsuko, c'est surtout une belle histoire d'amour qui dure depuis plus de 10 ans. Le secret de cette longévité, réponse dans une chanson, Chère Petite. C'est une chanson que j'ai écrite en pensant à toute la science que j'avais acquise, puisque maintenant je suis une femme de moyen âge, par rapport aux contes qu'on nous raconte quand on est petit, qu'on m'a raconté à moi, qui sont Cendrillon, La Belle au bois dormant, etc., où toute l'histoire se passe à chercher le prince. Une fois qu'il est trouvé, l'histoire se termine en disant on se marie et on est heureux. Et donc c'est comme si ça ensuite c'était automatique. Et comme j'ai vu, je sais pas, tous ces gens qui se séparent sans arrêt dès qu'il y a un problème, je me suis dit que peut-être c'était aussi ça dans l'éducation sentimentale des jeunes enfants, d'expliquer que ça continuait après le travail, continuait, c'était pas donné. Une fois qu'on s'est rencontrés, le bonheur n'est pas automatique. Comment réagissent les Rita Mitsuko quand leur musique ne fait pas l'unanimité? Quand je lis une critique où les gens n'aiment pas cet album, et ben, je trouve que ça fait partie de la liberté de la presse de ne pas aimer quelque chose.
ou d'être déçu, je sais pas. Moi, je me souviens, ça m'arrivait, par exemple, souvent, c'est les disques de David Bowie, que j'adorais un album, et quand l'album suivant sortait, j'étais là, oh, c'est moins bien, c'est plus ce qu'il faisait avant, et puis petit à petit, je rentrais dans le disque, une chanson que j'aimais bien, après une deuxième, une troisième, finalement, deux mois après, je me retrouvais à l'écouter toute la journée, donc ça me paraît normal qu'il y ait des gens qui aiment pas ce qu'on fait, quand même. Mais ça touche, ça c'est vrai, ça touche. Quand on lit une mauvaise critique, bon, on est triste. Enfin, surtout moi, Freddy, il m'a dit, souvent, il me dit, mais t'en fais pas, fais pas attention. Je fais quand même attention, quoi, c'est sûr. Mais heureusement, c'est quand même le public qui juge à la fin. Hein. Je ne connaissais pas les Rita Mitsouko. Je les ai découverts ce soir. Ouais. Et, géant. La voix, laisse tomber, quoi. Je peux plus parler. Elle avait une voix magnifique. Comme des malades. Très bien. Moi, la presse spécialisée, la Toupo, là, parce que vraiment, c'était génial. Et j'en ai déchiré ma poche tellement je me suis énervé, mais c'était très bien. Elle a une très 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 belle voix. C'est une compilation entre Carmel, entre Janis Joplin, enfin on retrouve toute notre jeunesse quoi. C'est pour ça les vieux cons, on vient encore au concert. Il y a de la haine aussi. C'est un peu soporifique, tu vois. Enfin pour ce que j'en dis, hein. Moi je trouve qu'ils innovent quand même, tout ce qu'ils font c'est... Ça ressemble à rien, c'est à eux. C'est génial, c'est super, j'adore. C'est le groupe des années 80, sûrement le groupe des années 90 aussi. Des fois ça énerve. On n'a pas que de l'amour à vendre.